venu sur le terrain pour construire l'idée d'une ville solidaire et dynamique, en harmonie avec la volonté du chef de l'État de pouvoir faire avancer la décentralisation. Donc je pense que nous sommes confiants et si on a autant de conseillers, si c'est avéré, et nous l'espérons dans la confirmation que fera le CGE, nous pourrions avec optimisme envisager un bel avenir pour moi. Alors, vous avez vendu moins cher ma peau. C'est vrai, vous savez, moi je suis de fonction, je ne faisais pas de la politique. Mais moi je suis un soldat, on m'a confié une tâche et je suis venu pour pouvoir l'assumer. Et je pense l'avoir fait avec beaucoup de responsabilité. Et humblement, j'assure que je suis très heureux. Mais bien sûr, ce sont des idées qu'il faut développer et amplifier. Koulamoutou, c'est notre ville, elle est chère pour nous et nous pensons que Koulamoutou doit envisager un avenir plus serein, ancré dans le développement avec une prise de conscience de l'ensemble des habitants de cette ville.